Il n'y a pas de chef, il n'y a plus personne, si? C'est moi la chef. Ah ben c'est très bien. C'est gentil. Vous avez fait combien de repas? Aujourd'hui, 250. Ah, c'est pas mal, hein? Avec les jeunes qui m'ont aidé. Tu les branches? Oui, je vais les brancher. Et il y a combien de bénévoles autour de vous? Non, je crois qu'on est une bonne douzaine. Une bonne douzaine ou plus? Oui, d'accord. Des vingtaines, entre les gens de la cuisine de l'Agora et puis mes...
Michel, comment ça se passe dans votre secteur? C'est trop bien. Pour la 11e année à la Vallée de l'Orne, c'est vraiment trop bien. On est à 110 motos, donc 110 équipages, ce qui nous draine à peu près 280-300 personnes avec les camionnettes, les trésoriers, sur cette édition de la Vallée de l'Orne. Alors c'est combien de roses que vous allez proposer au public? Alors on propose cette année 25 000 roses au public, c'est-à-dire qu'on en a 3 000 de plus que l'an passé. Voilà, on est en constante augmentation tous les ans. Et je vois que vous prenez soin de vos motards puisqu'ils ont à manger le midi et le soir, même le matin. Ah oui, je pense que tous ces bénévoles méritent. Donc on a une organisation qu'on veut tip-top, c'est-à-dire que le petit déjeuner, le 10h, le midi, le goûter et le soir, le samedi et le dimanche, ben les motards se restaurent en compagnie de la Vallée de l'Orne, aidés en cela par tous les sponsors qui sont démarchés, hein, par l'équipe de la Vallée de l'Orne, tous les sponsors qui nous offrent de la victuaille pour faire ces repas. Et toute une équipe de bénévoles autour qui prépare justement l'arrivée de ces motards. Alors, toute l'équipe de bénévoles, hein, on est une dizaine au niveau de notre organisation, aidés par des bénévoles non seulement pour désépiner les roses, hein, décharger les camions, désépiner les roses, les mettre en cravate. Ça représente à peu près une trentaine de bénévoles sur la journée du vendredi. Quel chiffre vous avez fait l'année dernière et qu'est-ce que vous espérez pour cette année? Vous avez augmenté le volume de roses? Alors on a augmenté le volume de roses de 3000 roses cette année. L'année dernière, on a donné à la lutte contre le cancer une somme de 51 051 euros, qui était en augmentation de près de 5000 euros puisqu'on avait donné 46 000 l'année précédente. Comme tous les autres secteurs, on n'a pas d'objectif. Comme tous les autres secteurs, on n'a absolument aucun objectif. On essaye de faire le mieux qu'on peut avec le ventre, avec les tripes, avec le cœur des motards, avec le cœur des habitants des villes et des villages qu'on traverse. Et la somme donnée sera la somme qu'on aura récoltée. Mais on n'a absolument pas d'objectif du tout. On essaye de faire tous ensemble et du mieux possible. Vous avez augmenté le nombre de villages que vous parcourez? Non, on n'a pas augmenté cette année le nombre de villages qu'on parcourt, tout simplement pour des capacités d'intendance. Voilà. On n'est pas encore assez grand pour pouvoir passer à une étape supérieure. On préfère asseoir la réputation de la Vallée de l'Orne, et quand on sera prêt, quand on sera assez mûr, on augmentera le nombre de villages. Très belle entente et très bon groupe. Ah, ça c'est une entente qui est vraiment superbe. Alors quand on dit entente, c'est entre l'équipe d'organisation et les motards bien sûr, mais c'est aussi entre une rose, un espoir et les habitants des villes traversées. Il y a des villages qui nous attendent, dès qu'ils entendent la première moto, ils sortent sur le palier avec déjà l'argent à la main, ils applaudissent les motards et ils sont prêts à acheter les roses. Donc c'est une harmonie qui devient de plus en plus complète au fur et à mesure des années. Déjà quelques anecdotes depuis que vous avez démarré ce matin. Ah, les anecdotes depuis ce matin. Je pense qu'il y en aurait beaucoup à raconter. Il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit. Si. Une personne qui nous a acheté des roses. Donc, quand je dis des roses, la personne nous a fait un chèque de 500 euros pour 30 roses. Donc, elle a été sonnée à la porte de sa voisine. Cette personne a donné 29 roses à sa voisine. Il en a gardé une pour lui. Et le chèque est de 500 euros à la lutte contre le cancer. Je pense que c'est formidable. Voilà. Deuxième fois que je passe à côté de la faucheuse. Et je m'en sors très bien et j'ai décidé de vous vivre et de faire plaisir. Voilà monsieur. Lire.
ça n'a pas augmenté. Bon, là, tu vas m'enlever tes gants, toi. Merci, comment, monsieur. Comment tu peux travailler avec des gants? Il vaut mieux avoir des gants en moto quand même. Merci en tout cas. Ça pique, hein. Oh, elle va venir, toi. Ouais. Déjà qu'elle s'est fou, elle est plus calme. Je croyais que vous vouliez changer les rouges contre les blanches. Non, c'était faisable aussi. Merci monsieur, en tout cas. Au revoir. Je suis peut-être un peu fou, mais je suis heureux. Tant mieux qu'on ne soit pas comme ça.